Alors, c'est pas facile de commencer à parler face caméra comme ça, mais je vais me jeter à l'eau. Moi, c'est Eline, j'ai 30 ans pour celles que ça intéresse. Je suis psychologue, enseignante aussi un petit peu à côté, et chercheuse en psychologie. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est que depuis quelques années, je suis passionnée par la culture des plantes d'intérieur. Et quoi de mieux, du coup, comme première vidéo, que de vous proposer un petit plan de tour. Alors, je dis petit, pas si petit que ça, comme vous allez voir. J'en avais déjà fait un sur Instagram, peut-être pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, mais d'une part, il y a eu pas mal d'évolutions depuis. Et puis, surtout, Instagram, c'est quand même pas idéal pour ce format de vidéo un petit peu long. Donc voilà, j'ai décidé de passer sur YouTube et puis je verrai bien comment ça se profile. L'idée, c'est vraiment de le faire de façon chill, vraiment voilà, pour le plaisir, pour le loisir, sans pression et sans prise de tête, ce qui va pas forcément être facile, me connaissant. Alors, on va pas trop perdre de temps à blablater, dit la fille qui est déjà en train de raconter sa vie depuis 10 minutes. Mais donc, pour rentrer plus directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, je vous présente juste les plantes du salon. J'en ai environ une centaine dans le salon. Après, dans tout l'appartement, je dois en avoir environ 150. Sûrement moins maintenant parce que j'ai essayé de faire le tri, d'en donner pas mal, d'en troquer, d'en vendre quelques-unes. Et donc, voilà, environ 150 plantes je vis dans 55 mètres carrés. Enfin, on vit dans 55 mètres carrés parce que je vis avec mon conjoint et mon chat, mais il faut avouer que mes principales colocatrices, ça reste les plantes, malheureusement pour les deux autres. À Paris, d'où le fait que voilà, hein, on ne peut pas forcément se permettre de vivre dans un appartement immense. Je suis exposée sud-ouest. Avec, vous allez le voir, une grande baie vitrée. Donc du coup, en termes d'exposition, on est plutôt pas mal. On a une belle exposition. Les plantes reçoivent beaucoup de lumière. Par contre, un soleil qui chauffe bien l'après-midi. Et là-dessus, je dois faire assez gaffe. Voilà. Trêve de bavardage. J'espère que vous aimez les longs plantes tours. Plantes tours. Parce que là j'avais un peu la flemme de découper la vidéo en plusieurs parties, donc on est parti pour environ 1 heure. Donc voilà, n'hésite pas à te faire un thé, un café, et puis c'est parti! Alors, on va commencer par cette belle étagère qui est disposée juste au-dessus de la télé. Ici, on a un Raphidophora tetrasperma qui pousse dans tous les sens. Il était vraiment minuscule quand je l'ai eu. Il devait s'arrêter, genre peut-être ici. Et puis depuis, il a lancé des lianes de partout. Il est très instable sur son tuteur. Voilà, il est un petit peu foufou. Mais je l'aime bien comme ça. Il aurait sûrement besoin d'être empoté et d'avoir un tuteur digne de ce nom qui permet de soutenir un petit peu ses autres lianes. Mais bon, j'aime bien la vibe qui rend comme ça. Donc je le laisse continuer de faire sa vie. Ici, on a un joli philodendron lemon lime, qui est une plante que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui est très commune, qui a une couleur vibrante avec ses jolies feuilles en cœur comme ça, qui pousse très vite. Le seul souci de cette plante, comme d'autres philos, c'est sa sensibilité aux trips, quoi. Donc là, on voit pas bien, mais hop, ces lianes continuent à disparaître sous la télévision. Juste derrière lui, on a un petit philodendron astatum
qui fait sa vie, bon, qui aurait sûrement besoin d'être un petit peu plus exposé à la lumière et d'avoir un vrai tuteur un jour pour vraiment commencer à devenir mature. Mais je l'aime bien en baby plante, donc voilà. Juste ici, on a mes deux chaînes de cœur, mes deux Cerropegia. Celle-ci, c'est... Alors, je l'avais achetée sous le nom de Mini Star. Mais je me demande si c'est pas la String of Spade. Voilà, que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très très fine, en fait, par rapport à d'autres. Elle est vraiment très délicate. Et à côté, on a la Cerropegia Woody Variegata, qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus fournie, et puis qui a des petites panachures blanches et roses. Alors, elle n'est pas très bien exposée, donc les panachures sont pas très vives. Hop, mais on voit quand même. Voilà. Et à côté, un petit cactus dont je serais incapable de vous donner le nom. Que j'ai acheté à Amsterdam, que j'ai ramené en train, voilà, que je trouvais chou. Ici, on a une Tradescantia zebrina, voilà, classique, qui est une plante que j'adore malgré sa tendance à s'étioler et à sécher au niveau de la base, voilà, qui commence à cascader joliment. Et puis à côté, mes deux pothos, mes deux épiprenums panachés, le Enjoy, qui est ici à gauche. Hop. Voilà. Et le Manjula, juste à côté. J'ai quand même une petite préférence pour le Manjula, que j'ai eu vraiment petit. On m'avait dit qu'il poussait beaucoup plus lentement que les autres pothos, ce qui en soi est vrai, mais il a quand même bien évolué. Vous voyez, il a quand même une longue liane maintenant, même deux lianes, il y en a une autre ici. Donc voilà, on voit bien du coup là comme ils sont côte à côte la différence entre les deux, avec le Manjula qui a des feuilles beaucoup plus rondes et beaucoup plus grosses, et le Enjoy juste à côté avec des feuilles un petit peu plus pointues, un petit peu plus petites. Alors moi, mon Manjula, il a plus beaucoup de variegations blanches parce que les feuilles très blanches ont tendance à mourir assez rapidement, mais il a des variegations très crème, en fait, ce qui est aussi très joli. Mais vous voyez, finalement, c'est pas blanc, quoi. On est vraiment sur quelque chose de crème. Ensuite, on passe à cette petite plantagère qui est vraiment juste à côté, voyez, de la fenêtre ici. Sur l'étage du haut, on a mon syngonium Frosted Heart. Je ne me rappelle plus de son nom botanique, mais donc qui a vraiment voilà, de très jolies feuilles avec un veinage que je trouve assez incroyable. Derrière lui, qui grimpe, on a mon syngonium Albo Variegata, qui a plusieurs pieds, pareil, qui est une plante que j'adore, et qui, alors là, c'est un peu difficile à atteindre, mais elle m'a fait de très jolies feuilles. Je ne sais pas si vous voyez en haut là, voilà, des feuilles bien panachées. Je l'ai bouturé plusieurs fois, il est enroulé plusieurs fois autour de son tuteur, parce qu'il pousse à une vitesse incroyable. Bon, il y a quelques feuilles très blanches qui malheureusement ont fini par partir. C'est assez classique. Hein. Et en dessous, on a un de mes syngoniums préférés qui est le syngonium panda. Vous voyez, avec ses jolies feuilles un peu constellées comme ça. Donc il est un peu caché en ce moment. Avant, il était beaucoup plus visible. C'est dommage, mais c'est vraiment un de mes syngoniums chouchou. Devant, le philodendron Burmax variegata. J'adore les variegations jaunes, j'en ai pas beaucoup des plantes à variegation jaune. Je pense que j'aimerais bien m'offrir un jour le syngonium aurea. Mais donc voilà, qui a des feuilles plutôt petites encore, mais par contre très joliment panachées. Celle-là qui est toute nouvelle.
Juste à côté, on a deux plantes que j'ai reçues il n'y a pas si longtemps de Quagenera. Ça doit faire un peu plus d'un mois. Devant, on a le Gloriosum Verde, qui finalement, alors je l'aime bien, hein, il m'a déjà sorti une première feuille à la maison, qui est celle-ci, mais que je trouve un peu classique finalement. Je ne sais pas si, avec le peu de place qui me reste, j'ai envie de lui réserver une place. Donc peut-être qu'il ne fera pas partie de ma collection si longtemps. Mais en attendant, il est là. Et derrière lui, on a le Pastazanum. Hop. Voilà, qui pareil, est un peu classique finalement. Je ne sais pas ce que j'en pense. Il est beau, hein. Mais j'attends de voir l'évolution. Mais j'ai eu une petite déception. Alors après, elles m'ont pas coûté très cher, hein, sur Equagenera, ça reste très accessible. Donc voilà, j'attends de voir comment elles évoluent, si elles finissent par gagner mon cœur ou pas. En dessous, on a une de mes Monstera préférées, c'est la Silte Pecana, que je trouve vraiment sous-estimée, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, on la voit pas beaucoup, elle est pas très plébiscitée, mais je trouve qu'elle a... qu'elle a des feuilles assez incroyables. Et alors la mienne reste encore avec des feuilles assez petites parce que je cherche pas à la faire grimper. J'aime bien ces feuilles comme elles sont là. J'aime bien, voilà, son port actuel. À côté d'elle, on a une de mes plantes préférées qui est le ficus Cheveriana. Donc qui est un ficus... un petit peu comme le Elastica, le Tineke, etc. Mais sauf qu'il a des feuilles panachées comme ça. Magnifique. Là, il m'en a fait une grosse ici. Je commence à être un petit peu inquiète parce que sa dernière feuille est très peu panachée. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Donc j'espère vraiment qu'il ne va pas commencer à me faire des feuilles toutes vertes et qu'il ne va pas réverser quoi. En parlant de plantes qui a réversé, bah on a ici, même si c'est pas flagrant, mon Florida Ghost, qui est redevenu, qui est tout vert. Hein. La dernière feuille est toute petite et elle est un peu mint, mais voilà, bon. Je l'ai remis juste à côté de la fenêtre, on va voir comment il se comporte. Après, de toute façon, j'aime bien la forme des feuilles dans tous les cas, donc c'est pas grave, il est aussi très joli comme ça. Juste en dessous, on a un petit Pilea, voilà, qui est là, qui ne demande rien à personne, qui fait sa vie. Ici, la fameuse Monstera variegata, qui est une version très panachée, qui a deux pieds, même si là, bon, bah, c'est pas flagrant, mais... elle a pas mal bruni. Pendant longtemps, elle allait très bien. Et puis là, je suis vraiment attristée. Elle a, vous voyez, alors ici, là, ça a bruni, j'ai coupé. Ici, ça a bruni aussi. Là, la dernière feuille qui était magnifique. Alors, elle est très blanche, hein, donc c'est pas si étonnant, mais qui commence à brunir sur les côtés. Voilà, il y a vraiment beaucoup de feuilles où les grosses parties blanches ont bruni. Je vais peut-être essayer, ça m'étonnerait pas qu'elles soient un petit peu à l'étroit, parce que j'avais rempoté deux pieds ensemble et c'était un peu serré, je me souviens. Donc je vais essayer de la rempoter, de la remettre un petit peu à neuf et j'espère que ça va lui faire du bien. Et qu'elle va arrêter de brunir comme ça, parce que vous voyez, elle est quand même très bien exposée. Il y a un humidificateur qui est juste à côté ici et un autre ici. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Elle est en terracotta, j'arrose quand c'est très très sec. Donc je ne sais pas trop pourquoi elle brunit autant. Je sais qu'il y en a qui restent assez, assez stables. Donc, À côté, on a le Hoya Australis, Australis Lisa, qui est une version panachée du Hoya Australis, qui est un des Hoya que je préfère. Pareil, je trouve qu'il est un petit peu sous-estimé. Il mériterait d'être un peu plus sur le devant de la scène parce qu'il a vraiment de très jolies feuilles. Et puis alors il a poussé de folie parce que il n'avait pas du tout de liane quand je l'ai reçu. Et là vous voyez, bah, il a vraiment
Des lianes qui s'accrochent de partout, qui grimpent, qui cascadent. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Et quand il pousse, les feuilles sortent un peu roses. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver. Hop, vous voyez. C'est tellement joli. En dessous, accroché une Tillandsia, dont je m'occupe à peine. Franchement, je la brumise une fois de temps en temps. Je la suspecte de ne pas aller très bien, mais bon. Ensuite, alors ici, on a deux piléas face à la fenêtre. Alors, je suis plein sud, donc autant vous dire que je les laisse un peu cramer au soleil. Hein, mais c'est en attendant, j'ai pas trouvé d'autres places. Écoutez, ils ont l'air de s'y faire. Hein. Ils sont pas non plus, ils sont pas non plus en PLS. Voilà. Celui-là, à la base, c'était un mojito, hein, mais comme beaucoup de mojitos, bah, vous voyez, il a plus du tout de variegation. Si on repart un petit peu, alors on va repartir par là. On a ici une sténante amagrie, qui est, alors j'ai pas beaucoup de sténante, de calathea, mais j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très élégante, qui est vraiment facile. Et juste devant, alors il a changé, il s'appelait Xanthosoma avant, ensuite je sais qu'il est passé du côté des caladiums. Je ne sais pas où il en est maintenant. Moi, je continue de l'appeler le Xanthosoma lindeni, qui a des veinures incroyables, qui est vraiment une plante que j'adore aussi, qui a tendance à s'assécher un petit peu sur le bout, comme ça. J'ai l'impression que c'est assez classique chez lui. J'ai coupé certaines feuilles qui étaient vraiment devenues trop moches. Qui n'étaient pas malades, hein, mais qui étaient juste moches, quoi. Vous voyez, bon là, il y a un petit bout jaune. Mais globalement, je pense que la plante en elle-même est en bonne santé. Ici, parce qu'il faut bien en parler à un moment, on a forcément la fameuse, la merveilleuse Thaï Constellation, qui m'a sorti cette feuille récemment, qui est la plus grosse, qui est vraiment superbe. Et puis l'avantage de la Thaï Constellation, c'est bon, d'une part les variegations sont un peu plus stables, et puis ça brunit beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus moucheté, vous voyez, et c'est pas des grosses parties blanches comme sur la Monstera qui est juste là, même s'il y a eu quand même un petit peu de brunissement ici à l'époque, vous voyez, j'ai coupé, donc qui est forcément que j'ai essayé de bien mettre en valeur parce que c'est vraiment une de mes plantes chouchoutes du moment. Alors je suis sûrement un petit peu influencée par la hype, hein, je suis pas très objective, mais cette dernière feuille, moi je m'en remets pas. En dessous, on a alors ici un Anthurium clarinervium qui a deux pieds et qui est bien fourni. Voilà, qui va très bien, qui m'a jamais posé de soucis. Ici, on a une de mes préférées aussi, c'est ma grosse Maranta leconora fascinator, qui maintenant a bien poussé, qui s'est pas mal dégarnie à la base, qui mériterait sûrement d'être un petit peu taillée pour refournir la base et pour lui redonner un petit peu d'énergie, parce que comme c'est censé être une grimpante, bah, ça l'épuise finalement, je pense, d'avoir ces lianes comme ça qui pendent. Elle est à la base, je crois, pas faite pour ça. Et puis sa copine à côté, que j'aime tout autant, qui est la Lemon Line. Voilà, qui sont sur des petits pots un petit peu en suspension, comme ça. Juste ici, en dessous de la fenêtre, on a le gang des alocasias. Donc on a ici, je pense que c'est ma plus ancienne, c'est la Dragon Scale. Hop. Derrière, on a la Regal Shield, avec sa petite feuille ici,
qui arrive. Devant, là, on a ma préférée, la préférée de beaucoup, donc je ne suis pas très originale sur ce coup, c'est la Frydeck. Hop. Bon, là, il y a une feuille qui a été un petit peu abîmée à sa sortie, mais... qui est vraiment une beauté. Je pense que s'il y avait une alocasia que je devais garder parmi toutes, ça resterait celle-ci. Avec, à côté, qui est quand même aussi une de mes alocasias coup de cœur, c'est la Black Velvet. Alors, souvent, je donne les noms commerciaux. Hein, la Frydeck, normalement, son nom, c'est la Mycolitiana, je crois. Et la Black Velvet, alors j'ai peur de dire une bêtise. Peut-être la Reginae. Bon, bref. Qui est très jolie aussi. Et la dernière arrivée dans les alocasias, c'est la Platinium que j'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà, là je l'ai posée, elle s'acclimate doucement. Elle est aussi jolie que ce que j'espérais, bien fournie. Dernière alocasia, je crois, c'est la Zébrina, qui est ici. Voilà, un classique. Avec ses jolies tiges zébrées. À côté d'elle, on a une de mes chouchoutes, le Philodendron Glorious, qui est donc un hybride entre le Gloriosum et le Melanochrysum, qui est un petit peu plus facile que le Melanochrysum et qui, contrairement au Glorious, n'est pas rampant, il est grimpant. Je crois qu'on peut le faire ramper aussi, mais donc du coup, il n'a pas cet inconvénient de prendre beaucoup de place. Ouais, ça, c'est sa dernière feuille, qui est encore claire. Et puis, la feuille d'avant, c'était celle-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Ici, on a un monstre. C'est le philodendron José Bono. Qui est arrivé, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi gros. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Mais il s'étale de partout. Alors, il y a cette feuille qui est magnifique. Hop, avec de jolies panachures. Mais malheureusement, les autres ne sont pas très panachées. La dernière, là, elle a quelques panachures quand même. Hop, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais vous voyez, ça reste léger, quoi. Ici, le Painted Lady, qui était beaucoup plus grand, mais malheureusement, je l'ai cassé. Donc voilà, j'ai mis la tige en eau. Il est en train de nous faire une nouvelle feuille. Hop. À côté, une des plantes qui me tient le plus à cœur, c'est mon Euphorbia Lactea White Ghost, qui est quand même qui a une belle taille, hein, que j'avais fait venir depuis Strasbourg en camion, donc c'était toute une histoire. Et au-dessus de lui, bah, je vais grimper un petit peu. On a alors d'abord ici le Piper Sylvaticum, qui a vraiment, alors qui a des feuilles super jolies comme ça, mais qui ont tendance aussi à sécher un petit peu, notamment au bout, vous voyez. Hop. C'est un peu dommage. Et puis là, les dernières sont quand même petites. Hein. Il est quand même joli. Et ici, deux Zoya. Alors, une de mes préférées, vraiment une de mes préférées, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, c'est la Zoya Mathilde. Avec ses petites feuilles rondes, dodues, saupoudrées comme ça. Et puis en dessous, qui est un peu fripée, je pense que je ne l'ai pas assez arrosée dernièrement. Et je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que son surnom, c'est la Eskimo Super Silver. Qui a beaucoup, beaucoup fleuri. Alors c'est dommage parce que là, c'est la première fois qu'elle n'a pas de fleurs. Et c'est à ce moment-là que je la filme. Mais voilà, donc qui a des feuilles un petit peu argentées, mais là, vous voyez, elles sont fripées. Donc, je pense qu'elle a besoin d'eau.
Ici, on a un pothos Snow Queen, donc Marble Queen, mais très clair. J'en avais déjà un très gros, mais j'en voulais un justement qui était plus clair, donc je l'ai acheté volontairement pour ça. Et que j'ai mis vraiment juste devant la fenêtre pour m'assurer qu'il reste Snow Queen, quoi. Ici, une Monstera Acuminata. Je suis pas une grande fan de la Danzoni, je préfère celle-ci avec des feuilles plus petites qu'on peut vraiment mettre en suspension. Qui est juste au-dessus d'une autre Monstera Variegata avec trois pieds, donc qui est un beau morceau, vous voyez si je m'éloigne, hop, ici, qui est beaucoup moins panachée, même si elle m'a quand même fait de jolies feuilles. Alors celle-ci, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle s'est cassée. Voilà, qui a quand même de belles marbrures hein, à certains endroits. Ici, on a un terrarium avec voilà, Phytonia, Ficus. C'est un terrarium assez grand. On ne se rend pas forcément compte de la taille, mais il est assez haut. Ici, le philodendron Malay Gold, voilà, qui se porte bien, qui est un gros buveur. Et derrière, un Syngonium Red Spot, que j'hésite à troquer, mais sa dernière feuille, qui est complètement bigou, me donne envie de le garder. Ensuite, on passe au-dessus du canapé. Donc vous voyez, hop, ça se présente comme ceci. On a ici mon Cébou-Blou, que je préfère laisser voilà, en suspension, qui est enroulé plusieurs fois, mais qui est beaucoup plus long que ça, normalement. Ici, sur le macramé, tout en haut, on a la Hoya, je crois que c'est la Crimson Queen, qui a quelques feuilles toutes blanches, mais beaucoup moins qu'avant. Qui est quand même une très... très jolie Hoya avec de jolies panachures. Regardez-moi cette toute petite feuille blanche qui arrive. Et puis avec elle, on a deux petits bébés pothos que j'ai fait à partir de boutures. Un Marble Queen et un pothos argenté. Ici, encore un terrarium avec des Phytonias. Et puis, voilà, le classique, le pothos golden, qui est très long, au point que bah, il passe ici, derrière le canapé. Donc, autant vous dire que le bas ne reçoit aucune lumière. C'est pour ça que forcément, ça s'étiole un peu, les feuilles sont petites en bas. Mais il est quand même joli, il faudrait que je le taille. Et à côté de lui, alors on ne la voit pas très bien parce qu'elle est cachée par ma lampe. On a la Monstera Deliciosa, qui comme pour beaucoup d'entre nous, je pense, est une de mes premières plantes. Elle a, je ne sais plus, deux ou trois pieds, je pense. Elle est très loin de la lumière, mais elle pousse quand même tout l'hiver. Elle s'en fiche. Hop. Avec... Bon, du coup, sa dernière feuille... Et à peine trouée. Je pense qu'il faudrait que je rallonge son tuteur là. Parce que vous voyez, bon, elle ne s'accroche plus du tout au tuteur. Il faudrait que je m'occupe de tout ça. Ici, une Sanseveria Moonshine. Et une Sanseveria Star Canary. Parce que ici, on commence à arriver dans le coin où il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein, donc, on a des plantes qui sont OK avec ça. Ce qui est le cas des Sanseveria. Et ensuite, on arrive sur les étagères du fond. Ici, on a une autre petite sténante Amagri et une Calathea Makoyana qui supporte bien aussi la faible luminosité de ce coin-là.
Ici, on a un petit coin Tradescantia, alors qui, elles, ont besoin de lumière, hein, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a juste ici des lampes horticoles, alors que là, j'ai baissé, mais qui normalement s'occupent d'éclairer la partie Tradescantia. Et celle-ci, là, c'est une bouture, donc elles sont en eau, en fait. C'est un petit vase avec de l'eau. Et donc ici, on a la Calisia Elegans, je crois, pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Et à droite, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a bien fleuri, mais maintenant, tout est fané. Je crois que c'est la Fluminensis, peut-être. Je ne suis pas une grande adepte de Tradescantia, mais voilà, j'ai celle-ci. Et au-dessus, on a un chlorophytum vraiment qui fait sa vie, que je laisse complètement dépérir. Forcément, heureusement que c'est un chlorophytum. Et puis ici, une petite bouture de pothos néon que je laisse dépérir aussi. Autant vous dire que ce coin-là, je l'oublie complètement. Ensuite, ici, hop, sur cette balade, du coup, c'est moi. Coucou. On a une Ludisia discolore qui va bien, qui va pas bien. Honnêtement, j'en sais rien. J'arrive absolument pas à comprendre cette plante. Elle survit, mais elle perd souvent des feuilles. Bon, elle est assez loin de la lumière, je l'arrose assez peu. Parce que j'ai l'impression que quand elle était plus proche de la lumière et que je l'arrosais un peu plus, bah elle allait mal. Donc voilà, j'essaye comme ça. Et puis ici, on a une Sansevieria granite. Ensuite, on termine par... ah, non, j'ai oublié, attendez, je vais vous le montrer avant. On a la table basse. Donc sur la table basse, on a un petit Pilea involucrata, donc Moon Valley. On a un petit Pilea peperomioides qui est un bébé que j'ai retiré d'une plante mère. Un petit bonsaï ici, type arbre de jade. Et un bébé sténante burlmarxi. Voilà. Et ici, on a une plante qui avait dépéri cet hiver. J'étais très triste parce que je l'aime beaucoup. C'est le Begonia tamaya. Qui est le seul bégonia que j'ai gardé, parce que moi je les fais tous crever les bégonias. Mais là qui a bien repris, qui commence à être jolie et qui est même en fleur. Et donc, pour terminer la partie la plus compliquée, c'est cette grande serre, enfin ce cabinet Ikea, alors avec quelques plantes dessus, et puis là j'ai éteint les lumières parce que sinon ça fait que clignoter, c'est insupportable. Enfin ça fait que clignoter, ça clignote pas en vrai, mais en vidéo ça a l'air de clignoter en fait. Je sais pas si je suis claire. Alors, je ne sais pas à quel point je vais rentrer dans les détails, mais je vais en tous les cas rapidement vous parler des plantes qui sont dessus. On a ici une Omalomena. J'espère qu'elle va supporter le manque de lumière, parce que je viens juste de la mettre là, il y a encore quelques jours, elle était très proche de la fenêtre. On a un très long et magnifique pothos néon, un de mes chouchous, alors qui, quand je vous dis très long, c'est... hop, traîne par terre. Et à côté, un pothos argenté. Pareil, ils sont... En termes de longueur, ça se pose là aussi. Ici, une plante que j'adore, c'est le mican, le philodendron mican. Qui est très long aussi. Qui touche presque le sol, mais pas encore. Et derrière, un gros Marble Queen qui n'est plus très marble. C'est pour ça que j'ai voulu m'en acheter un Snow Queen, qui a quand même de jolies panachures, mais voilà, c'est plus très blanc en tout cas. Il y en a une là qui est jolie.
qui est très long aussi. Donc j'ai mis pas mal de plantes tombantes sur la vitrine, parce que comme ça elles profitent de la lampe horticole à l'intérieur quand elle est allumée. Et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien leur convenir. Et puis ici on a la serre. Alors peut-être que je ferai une vidéo à part pour présenter les plantes qui sont dedans. Je vais faire un tour rapide. Mais rapide quoi. Alors ici on a une petite colocasia Black Magic, une alocasia Pink Dragon, un anthurium Silver Blush, une Hoya Serpens, une Hoya Compacta Variegata avec les nouvelles feuilles qui sortent roses, qui est très lente à pousser mais ça pousse. Ici, une Hoya Obovata. Là, on a une petite bouture de Pink Spot. Des bulbilles qui ont bien pris d'Alocasia Freideck. Un bébé Philodendron Bilitae qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais vous le sortir quand même. Hop. Je sens que je vais faire une catastrophe. J'aurais pas dû faire ça. Bon, je ne vais pas vous le sortir, pas complètement, mais vous voyez, il était vraiment minuscule au départ, on ne se rend pas bien compte. Là, on voit un petit peu, hop, petite feuille qu'il y avait au départ. Et puis maintenant, eh ben, ça commence à ressembler à un Bilitae. Voilà, miracle, j'ai rien fait tomber. Ensuite, en dessous, derrière là, on a une Tillandsia qui est accrochée. Et les Tillandsias, ça leur va plutôt bien hein, d'être en milieu de serre. On a... Alors ici c'est une colocasia Maui Gold, ici c'est une colocasia Morito qui est encore minuscule, hein, j'arrive pas à la faire grandir en termes de taille. J'adore la colocasia Morito donc j'aimerais bien en avoir une, oula, une vraie belle avec de grandes feuilles quoi, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Ici, on a le philotendron Atabopensé, si je ne me trompe pas. Un que j'aime beaucoup, c'est l'anthurium Dorayaki, qui commence à me faire sa plus grosse feuille. Hop, celle d'avant, elle était là, et celle-ci n'a pas encore fini de pousser. Ensuite, ici, on a... ma préférée du moment qui est une arrivée récente, c'est donc ça c'est une feuille de transport hein, qui est, du coup qui a été abîmée et la feuille qui est sortie chez moi c'est celle-ci donc elle va très bien. C'est le El Choco Red, le philodendron El Choco Red qui est en train de dérouler une nouvelle feuille ici. À côté on a un petit mamey qui fut un temps était immense et qui était malade, qui n'allait pas bien. Qui avait à la fois des trips, à la fois un champignon, bref. Du coup, j'ai tout ratiboisé, j'y croyais pas trop, et il est reparti. Vous voyez, au départ, il m'a fait une feuille toute mini comme ça. Et puis, assez rapidement, les feuilles ont grandi en taille, et ça ressemble de nouveau à un mamey, hein, ma foi. Ici, on a un syngonium Green Splash, et un syngonium confetti, ou milk confetti sûrement. Hop. Ça, c'est un Xanthosoma Frozen Planet qui vient d'où? Je sais pas, il est là. Et ça, c'est une Alocasia Macrorhiza Variegata, malheureusement plus Variegata. Alors, il y a une feuille ici qui a encore des petites variegations, mais bon, les nouvelles sont toutes vertes. Ensuite, si on part en dessous, on a Implomanie. Hop, voilà. Fait de jolies feuilles, par contre qui ne veut pas ramper, donc qui est grimpant pour le moment. Un Mélanochrysum qui n'arrive pas à faire de grosses feuilles, donc j'arrête pas de bouturer, mais ça fonctionne pas. On a un Anthurium Clarinervium. On a
des marantas, parce que j'adore les marantas, donc j'ai pas mal de variétés. J'ai la Light Vane qui est ici, qui est très jolie. La Silver Band qui est juste derrière. La Noïde qui est en dessous ici. Et ici, j'ai la Maranta cristata. Ici, j'ai un verrucosum qui repart, pareil, que j'avais dû tailler. Donc, on voit, voilà, ici, c'était la taille des anciennes feuilles. Et puis, comme j'ai tout taillé, bah forcément, alors celle-ci, elle est jaunie un peu. Il a été attaqué par les thrips, mais normalement, ça va mieux. Et donc, maintenant, il fait des toutes petites feuilles qui sont quand même mignonnes. Il y en a d'autres, je crois, mais voilà. Ici. Ici, on a le magnifique Philodendron splendide, qui est vraiment une de mes plantes préférées aussi, qui est, je pense, en ce moment, à égalité avec le Helechio coréen. Alors, sa dernière feuille est un peu petite. Je suis désolée, hein, les plantes sont assez sales et poussiéreuses et calcéreuses. Il faudrait que je m'en occupe. Ici, on a une Thilandia aussi, d'ailleurs, qui est accrochée. Et puis, j'ai oublié, il me semble, le Syngonium, je crois que c'est le T25. Ici. Et j'ai un autre. Ah, voilà. Ici, il y a un autre Anthurium cristallinium. Voilà pour la partie serre. Alors, j'ai essayé de faire un peu plus rapide. Hop. Et on referme ça. Et j'ai oublié de vous parler côté fenêtre de ce petit cactus aux tiges retombantes. Je ne me rappelle plus du nom. Je me demande si c'est pas genre le Monkey Tail Cactus ou quelque chose comme ça. Non, je crois pas que ça soit celui-ci. Qui pousse bien, parce que je sais pas si vous voyez là, on se rend compte qu'il y a hop, des bouts un petit peu plus verts. Bon, c'est pas facile hein, de faire la mise au point. Et au-dessus, le Sedum burrito, qui est une plante que j'adore, qui est pas évidente hein, parce que faut vraiment l'arroser très rarement, sinon le risque de pourriture est assez rapide, et en même temps, si on l'arrose pas assez, bah, elle peut quand même dépérir. Hein. Et toutes ces petites feuilles peuvent complètement s'assécher assez vite. Il a énormément poussé depuis que je l'ai, parce qu'avant il devait arriver, vous voyez, ici, et puis depuis, hop, il retombe bien. J'adore ce Sedum burrito. Il est vraiment bien fourni. J'ai failli le perdre il n'y a pas si longtemps parce que j'avais complètement oublié de l'arroser pendant un certain temps. Et puis je lui ai donné un bon bain toute la nuit. Et maintenant il a bien repris. Vous voyez, c'est de nouveau bien dodu. Voilà, c'est enfin terminé. Je remercie grandement toutes celles et ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo qui bon, était sûrement un petit peu trop longue, je l'avoue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça nous permettra aussi d'échanger, de discuter, de se rencontrer un petit peu, soit en commentaire, soit sur mon compte Instagram, qui est bah, voilà, comme le nom de la chaîne normalement, Plants, Psy and Coffee. Où il y a une chouette communauté de plant lovers. Peut-être à une prochaine fois, si jamais, voilà, je pense que je vais décider de continuer de temps en temps à faire des vidéos sous ce format qui est un petit peu plus agréable. Peut-être à venir, voilà, notamment un tour de la serre, peut-être un tour des plantes de la cuisine et de la chambre, et puis. Voilà, diverses vidéos, ce qui me passera par la tête
ce qui me fera envie. Peut-être parler un petit peu de psychologie. On verra si j'ai envie de mixer. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et que potentiellement tu veux continuer à voir la suite de ce que je propose. Et je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne fin de journée. Bisous!